Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Grande est ma joie de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma vraie vie de maman au foyer. Alors, cette vidéo a été filmée sur 3 jours. Je vais quand même vous partager ma vie au foyer, dans le ménage. Voilà, si le contenu vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification, aimez cette vidéo, commentez, partagez. Merci infiniment pour tous vos soutiens. On va commencer cette vidéo par ce petit brunch que j'avais organisé au courant de la semaine, dans la matinée. En fait, le jour en question, c'était prévu que je vous filme une morning routine avec tous les enfants. Mais j'ai eu des invités surprises, les amis de mon mari, voilà, ils sont arrivés à la maison dans la matinée. J'étais obligée de faire quelque chose à manger pour eux. Alors, j'ai improvisé un petit brunch que je vais bien sûr vous partager. J'ai mis le bacon dans mon air fryer comme je n'avais pas beaucoup de temps. Je vais faire les œufs à côté et puis je vais aussi faire des saucisses. Pour assaisonner mes œufs, je n'ai utilisé que 3 ingrédients, le sel, un peu de muscade et le poivre noir. Ben, comme je courais derrière le temps quand je filmais, donc j'étais obligée de vite faire les choses et j'ai pas pu tout vous filmer, mais j'ai quand même pris les résultats finaux, à quoi ressemblait la table, bien que c'était vraiment pas prévu, j'ai quand même réussi à bien la décorer avec ce que j'avais comme nourriture. Là, c'est déjà après le brunch. On se retrouve dans ma salle de bain où je devais ranger.
Je vais faire rapidement mon petit rangement. Ensuite, on va continuer avec la vidéo. Voilà, pendant que je suis en train de faire ce montage, les enfants sont en train de parler à côté. Il y a tous les trois avec moi. Donc, je serai plus en musique qu'au parler. Donc, je vais parler quand ils sont calmes. Et voilà, on va évoluer comme ça avec le montage de cette vidéo. Ça, c'est la vraie vie de maman. Je suis curieuse, dites-moi en commentaire, vous êtes pendant quelle saison et quelles sont les activités qui vous occupent principalement ces jours-ci. En tout cas, pour moi, nous sommes pendant l'été et on profite au max, surtout pour les enfants. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup la chaleur, mais c'est vraiment bien pour les enfants parce qu'ils n'ont pas des grippes, ils n'ont pas des rhumes et on fait l'effort pour qu'ils en profitent au max. On les amène au parc, aux endroits des récréations, indoor playgrounds. On les amène au trampoline, donc on fait les activités à la piscine. Je fais vraiment l'effort de sortir avec les enfants pour qu'ils découvrent le monde à l'extérieur. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous êtes pendant quelle saison et quelles sont les activités qui vous occupent le plus. Je sais, en Haïti, ils ont la saison tropicale presque toute l'année. Voilà, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment en Haïti. Je vous aime énormément. Je vous porte à cœur. Je sais que ceux qui sont en Australie, ils sont pendant la saison, pendant l'hiver, ouais. Pendant l'hiver. Je pense que ceux qui sont en Australie sont pendant l'hiver. Donc, c'est le froid chez eux. Comment ça se passe chez vous? En Europe, c'est l'été. Ceux qui sont en France, d'ailleurs, la grande majorité de mon audience vient de l'Europe. Je vous aime énormément. Vous êtes pendant l'été comme nous. Comment vous passez votre temps? Est-ce que vous en profitez au maximum? Il fait chaud, il fait froid. On se parle un peu dans les commentaires. Je vais quand même prendre le temps de répondre à tous les commentaires quand j'aurai posté cette vidéo. Et pour ce jour-là, je m'étais arrêtée par là parce qu'il y avait d'autres activités. Pour la journée, il fallait que j'aille récupérer le nightstand au store. C'était arrivé, donc j'ai arrêté de filmer pour ce jour-là et on continue the next day. Alors, les tâches de ces jours-là, c'était juste refill, les nourritures dans les boîtes, voilà. Le sucre, farine, riz, voilà. Il fallait quand même refill des choses dans la cuisine et puis essuyer les poussières et puis c'est tout. Thank you.
Et donc, ce jour-là, Josie n'était pas d'humeur. Elle voulait pas d'explication. Elle voulait juste de sa maman. J'ai essayé de la faire coucher plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Alors, j'ai décidé d'arrêter de filmer. Donc, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais filmé, c'était juste refill, les nourritures. Et puis, j'ai arrêté pour continuer le jour suivant. Donc, on évolue en musique. Et dans ma chambre, je devais enlever les anciens rideaux, remplacer par des nouveaux qui sont arrivés. Je devais laver les draps. Je devais également assembler la table de nuit que j'avais récupérée déjà 2 jours avant. Et comme j'étais très occupée avec les enfants et j'arrivais pas à filmer, j'ai attendu jusqu'au le jour où j'avais filmé pour vous enregistrer ça. Alors, on va rapidement s'occuper de la chambre. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette nightstand, c'est que c'est venu déjà assemblé dans le box. Je n'avais qu'à installer les 2 poignées. C'était vraiment facile, très bien protégé. D'ailleurs, j'étais partie prendre ça seule avec ma voiture. J'ai mis ça derrière, ça convenait et tout. Je suis rentrée avec très facile. Je l'ai fait seule, je n'avais même pas besoin d'assistance. Et pour les rideaux, comme vous voyez, j'ai élevé ça parce que je voulais les avoir bien haut, vraiment du haut vers le bas. Quand c'est long comme ça, j'ai comme l'impression que la chambre devient un peu plus vaste et vous allez remarquer les résultats finaux avec moi.
Le rideau bien installé, c'était juste haut, très joli. Les petits trous là au mur, je vais m'en occuper plus tard. Je n'avais pas les produits que j'utilise pour réparer les petits trous. Donc je les ferai après. Voici le rideau bien long, très joli. Ça éclaire la chambre. La couleur match avec les lampes. C'est juste très joli. Et le tableau que vous voyez au-dessus de mon lit, je l'ai eu à Ross. Je vais pouvoir l'installer. Je l'ai remplacé avec l'autre qui était avant parce que ça, c'est plus grand. Et avec la taille du lit, ça marche beaucoup plus mieux. J'ai également élevé les miroirs. Beaucoup de mes abonnés m'avaient demandé de les faire. Et quand j'ai élevé les miroirs, j'ai trouvé ça un peu plus joli. Donc, j'ai fixé le tableau et là, je vais prendre les draps pour aller les nettoyer et venir faire mon lit. Donc après avoir installé ma table de nuit, j'ai déposé la lampe là que vous voyez. Elle vient du même store que mon lit, voilà, et tout le reste des fournitures. Et donc l'autre lampe qui est debout dans l'autre coin, la lampe noire blanc là, je vais pouvoir les déplacer. Ça va partir au salon parce que je voyais vraiment plus la place de cette lampe là. J'ai déjà deux lampes sur mon dresser. J'ai la lampe à côté là sur la table de nuit puisque j'en ai qu'une pour le moment. Donc je voyais pas la place. Et du coup là on se retrouve après avoir nettoyé les draps. J'ai pas pu tout filmer. Voilà. Là, c'est déjà dans la soirée. J'ai fini de laver les draps et le quilt qui est sur mon matelas. J'utilise ça comme protection pour matelas parce que je n'ai pas encore la protection de mon matelas. Comme j'ai le bébé, il y a beaucoup d'accidents. Il fallait quand même mettre quelque chose pour que mon matelas ne puisse pas avoir des taches, soit les pipis de bébé, vous voyez, tout ce qu'il y a comme accident. Donc, je vais faire rapidement mon lit et puis je vais vous faire le petit tour de la chambre après avoir changé la déco, rideau, les miroirs, le tableau, voilà. Comme j'ai pas repassé les draps, ça venait fraîchement de la machine. J'ai fait le lit comme ça, mais je tenais quand même à repasser les têtes d'oreiller avant de faire entrer les inserts.
C'est donc par ce tour que s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire plus, je me sentais fatiguée. Donc, je suis partie prendre ma douche. J'ai mangé quelque chose, depuis je suis partie faire dodo. Les enfants, ils dormaient déjà. Donc, j'étais juste toute seule. Mon mari n'était pas là, bébé dormait. Voilà, il fallait que je prenne maintenant soin de moi et puis que j'aille au lit aussi m'endormir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Bye!